Hey, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici le surfeur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité qui pourront peut-être en intéresser certains, surtout pour les débutants et pour ceux, j'insiste bien, qui, toujours pareil, souhaitent mettre un petit pécule dans le jeu de manière optimisée. Bon, vous connaissez mon leitmotiv, moi j'encourage personne à mettre des sous dans le jeu. Je vais vous expliquer un peu tous les détails de ce qui a été mis ces derniers jours. Donc là, il y a World Warship qui a fait une collaboration avec Azur Lane, c'est pas la première fois. Ils la font à peu près chaque année ou tous les X temps, je ne saurais pas vous dire exactement si c'est tous les 6 mois ou plus. Parce qu'il y a 3 nouveaux personnages, Azur Lane étant un autre jeu vidéo. Ils ont incorporé ces 3 commandantes, du coup, qui sont des personnages d'un autre jeu vidéo. Et donc, ils nous ont fait une petite mise à jour dans la boutique. À savoir que, même si ça sert à pas grand-chose, vous pouvez cliquer ici, là, dans l'actualité. Donc, comme d'habitude, en fait, dans le jeu, vous cliquez sur actualité. Ne loupez jamais d'aller les lire, il y a souvent des cadeaux à récupérer. Donc là, je me porte particulièrement sur l'actualité des Azur Lane. Ils nous ont fait toute une vidéo présentant bien sûr tout ceci. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Ils vous expliquent, ce que moi je vais vous expliquer. En gros, ils vous présentent ces charmantes commandantes pour vous appâter. Je vous en dirai plus. Bon, je vais pas continuer la vidéo. Je vais vous expliquer pour aller droit au but un peu tout ça. En gros, ils ont mis en plus des commandantes, des skins spécifiques à des bateaux. Mais nous allons voir ça ensemble. Allez, je coupe cette vidéo. On continue l'actualité. Donc, si vous cliquez ici, vous aurez le skin de ce port là. Bon, c'est juste de l'esthétique. Je ne m'y attarde pas. Du 4 au 8 août, il y a moyen de cliquer dans l'armurerie pour récupérer une chaîne de 4 missions qui vous permettent, comme c'est expliqué ici, de récupérer un camouflage permanent pour le Dunkerque et un commandant à 6 points. Voilà, il vous l'explique ici, ça c'est toutes les récompenses qu'on peut avoir après avoir accompli toutes les missions. À savoir que toutes ces commandantes ont des voix personnalisées aussi. Donc il vous explique, attention, petite subtilité, entre ce que vous allez voir dans l'armurerie ici, si un des lots vous intéresse à acheter, que vous allez payer 32 500 doublons, ce qui est l'équivalent d'une centaine d'euros, vous avez une promotion supplémentaire dans l'actualité. En fait, il faut passer directement par le site web. En fait, d'abord par l'actualité, puis ensuite par le site web. On va y revenir. Donc là, il vous explique qu'il y a 2 coupons, moins 15% supplémentaires. Donc en cliquant ici, voilà, ça nous rabascule directement sur le site web avec effectivement les 2 coupons. 15%, je reviens en arrière. Donc pour vous détailler, ici c'est des conteneurs où vous avez un peu moins d'une chance sur 3 d'avoir un commandant dedans. Vous voyez le prix, 82 € moins 15% si on applique le coupon. Donc il vous explique que là vous avez 32% de chance d'avoir un commandant aléatoire. Donc sur 25 boîtes, admettons, on va essayer de faire une équivalence. Sur 25 boîtes, vous aurez une moyenne de 8 commandantes à peu près, on va dire, si vous avez une bonne moyenne, et des bonus économiques et des camouflages qui servent à rien. Si maintenant je clique sur acheter et que vous appliquez le coupon, vous voyez que le prix est forcément réduit là maintenant à 70 €. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de passer par le site pour acheter un lot si quelque chose vous intéresse. Vous avez plusieurs possibilités, sachant que, bon, je vais quand même vous présenter tous les lots, mais le lot le plus intéressant, bien que j'estime que vous pouvez attendre et faire preuve de patience, c'est celui-ci qui est à 107 €. Bien sûr, si vous appliquez le coupon, il passe à 91 €. 91 € et vous avez 29 commandants à 10 points. Voilà, vous avez 29 commandants à 10 points des nations principales du jeu. Donc ce qui peut vous aider bien évidemment en tant que débutant, surtout pour les destroyers. C'est sûr que d'avoir un destroyer sans la compétence dissimulation améliorée, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Donc si vous êtes vraiment pressé et que vous avez les moyens financiers,
même si je trouve que c'est ridicule, vous pouvez aller sur ce pack. Voilà, donc en plus d'avoir 10 commandants à 10 points, ben, ces commandants ont des esthétiques, on va dire, alléchantes pour la plupart des joueurs qui pourraient s'intéresser à ce genre d'esthétique. Et elles ont des voix spécifiques, voilà, elles ont la voix du personnage qui vient du jeu Azure Lane, donc une voix japonaise. Vous allez rien comprendre à ce qu'ils disent si vous parlez pas japonais. Et voilà, c'est les petits aspects en plus, c'est-à-dire que voilà, pour 91€, vous avez tous ces commandantes. Ça peut être intéressant pour les plus impatients d'entre vous et pour ceux qui veulent mettre de l'argent. J'estime toujours pareil que mettre 90€ pour ça, je vais pas mâcher mes mots, c'est ridicule, mais c'est le meilleur pack, je dirais. Ensuite, ils vous vendent des packs, voilà, 15€, 116€, 136€, moins les fameux 15% des coupons que vous avez ici si vous les appliquez. Et dans ce pack, à moins 15%, ça fera une centaine d'euros. Vous avez ces 4 navires, donc rien d'exceptionnel, qu'on soit très clair, avec leur commandante et avec des missions plus de 100% sur tous les types d'XP. Donc c'est sympa, ça dure un mois la mission. Il faut jouer obligatoirement ce navire. Les navires premium, comme vous le savez, lorsque vous les jouez, ben, vous débloquez rien derrière. C'est-à-dire que si vous jouez ce navire tier 7, eh ben, vous débloquerez pas à force de le jouer un tier 8. Voilà, un navire premium, il est bloqué à... Voilà, il sert juste à farmer des ressources et à avoir éventuellement des navires qui ont certaines compétences. Je ne m'attarderai pas sur les compétences de ces navires. De mon point de vue, j'ai pas en fait, c'est ridicule et j'ai pas envie de vous encourager à acheter ça. Je ne détaillerai pas ce lot, bien que, voilà, vous voyez un gros blindement, mais vous avez des skins comme ça, ils ont des skins. Un skin, ça reste un skin, ce qui veut dire que c'est une apparence qui n'apporte aucun bonus de caractéristiques qui vous permettront d'être plus fort. Voilà, il y a un autre lot de 4 navires avec le Cheshire que je connais, qui est un navire sympa, mais toujours pareil, 136€ moins 15% du coupon, ça revient à quelque chose comme 115€ ou un peu plus de 120€ peut-être. Bon, je trouve que c'est ridicule, je ne m'y attarde pas, j'ai pas envie de vous encourager à ça. Et là, c'est encore plus ridicule. Donc le seul lot qui, à mon sens, a un semblant de valeur, c'est celui-ci, voire celui-ci. Le problème, c'est qu'ici, vous êtes pas, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous avez une chance sur 3, un peu moins d'une chance sur 3 de tomber sur une commandante, mais vous savez pas lesquelles. Là, vous les avez tous et c'est terminé. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, chacun fait son kiff dans le jeu. Voilà, 91€, c'est une grosse somme. Je tenais à faire une vidéo actualité, comme vous le savez, voilà, pour les ajouts et ce qui peut vous intéresser. Sachez que en passant par là, ben, vous avez ceci. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, petit instant promotionnel, ben, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune note de mes futures vidéos, puisque je fais régulièrement du contenu pour vous y permettre d'y voir plus clair sur le jeu ou pour vous aiguiller sur les actualités. À faire un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et éventuellement à regarder la vidéo dans son intégralité. Toutes ces petites choses référencent mes vidéos et me permettent tout simplement d'être mieux référencé, et c'est le meilleur moyen gratuit de soutenir mon travail, si vous l'appréciez bien entendu. Si vous êtes joueur débutant et que vous découvrez ma vidéo, enfin cette vidéo, vous découvrez le jeu avec cette vidéo, ce qui n'est pas la meilleure des choses. Il y a bien d'autres vidéos qui sont plus intéressantes pour découvrir le jeu, parce que là c'est juste une vidéo actualité. Sachez qu'il vaut mieux commencer le jeu en se parrainant. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez en haut à droite un petit épinglé qui va apparaître et qui vous rapatriera sur ma vidéo où j'explique tout sur le parrainage. Ne commencez pas le jeu sans être parrainé. Voilà, que les choses soient claires. Allez, on retourne sur le jeu rapidement pour voir si j'ai rien oublié. Mais je ne pense pas. Il y a eu d'autres actualités là qui sont sorties. Activer la mission de combat personnel. Voilà, je ne l'ai pas fait. Bon, mais je clique. Ça va activer une mission dans mon jeu. Ils expliquent que du 28 juillet au 11 août, on a une chance d'avoir certains navires. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours bon à prendre. Et des conteneurs. Donc, je ne l'avais pas fait. Pensez régulièrement à aller dans les actualités. Celle-ci, je ne l'ai pas lue non plus. Donc du 4 août au jeudi 10, et voilà, ça aussi je l'ai pas fait. Donc vous voyez, je pense pas toujours moi non plus, mais c'est bête de passer à côté. Donc il nous explique comment faire. Je vais prendre celle-ci, je vais pas me prendre la tête. Je lis pas en particulier. Nombre de gagnants, ils nous disent qu'il y a ces navires à gagner, mais il y en a qu'un. Donc les chances de les avoir sont extrêmement fines.
Autant dire que je ne me base pas là-dessus, mais pourquoi ne pas participer, hein, comme on dit, si tu participes pas, tu gagneras rien. Enfin, qui ne joue pas, ne gagne pas. Voilà, je clôture la vidéo là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié, qu'elle vous sera utile. On se retrouve très bientôt, c'était le Surfeur pour vous servir. Ciao, ciao!